Le premier jour, en fait, on a eu un cours sur les couleurs, les contrastes et donc les contrastes simultanés et tout ça. Et sur l'importance du coup de doser les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et ensuite, on a fait nos propres palettes de couleurs et on a testé des motifs qu'on pourrait du coup avoir comme motif de lampe. Et après, il a fallu aussi voir qu'est-ce que rendaient ces motifs autour de la lampe, du coup voir comment elles rendaient quand elles étaient mises en rond, enfin en cercle. Et on a aussi vu qu'est-ce qu'elles rendaient avec la résille, parce que ça rendait pas la même chose le motif tout seul ou le motif avec la résille. Et on a choisi aussi si c'était des motifs qui étaient verticaux ou des motifs qui étaient horizontaux. Et on a du coup choisi des motifs horizontaux et c'est là qu'on a choisi aussi à différents types de motifs qu'il y aurait et que Marine a ensuite mixé pour créer le motif qui est définitif et qu'on a réalisé. Alors avec Alexis, du coup, on a travaillé le vitrail. Donc pour commencer, comme on s'y connaît, c'est pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est que on a d'abord travaillé à découper du verre sur du verre blanc, enfin du verre transparent. Et du coup, on s'est entraîné à la découpe et au meulage. Donc à force de faire, donc on s'est habitué. Et au fur et à mesure, du coup, on s'est de plus en plus mis à faire des verres colorés. Et du coup, les étapes, c'était de suivre la forme de la découpe, à chaque fois de vérifier que le verre était bien suivait bien la forme, et donc après à chaque fois faire des allers-retours entre la meuleuse et le gabarit pour voir un peu si tout était parfait. Et du coup donc la deuxième étape, c'est qu'ils vont être chauffés en suivant la forme cylindrique. Donc on est allé chez Boris pour travailler le métal. On a fait toutes les ornures quoi, des vitraux. Et ouais, on a travaillé le métal. Donc du coup on a pris des tiges en métal qu'on a cintrées. Ensuite on les a chauffées pour les plier quoi. Et c'est à peu près ça. Avec Stéphane, on a expérimenté beaucoup la couleur, la lumière, les vitraux aussi, le mélange de luminosité. On a fait de l'abstrait, on a fait quelque chose de très net. On a touché beaucoup à la place Saint-Germain, à l'eau, à la Vilaine. On a essayé de tout réunir pour faire un ensemble pour la place Saint-Germain. Prendre plusieurs éléments de la ville pour ensuite construire la vidéo TNB. Et voilà. Là aujourd'hui, on est en train de sélectionner tous les fichiers qu'on a pu prendre en ville. Et du coup, on fait du tri un petit peu sur tous les clichés pour ensuite faire un grosso modo et récupérer tout ce qui est le mieux de ce qu'on a pu faire.